Allez, je relance le record pour YouTube. Bonjour YouTube pour cette rediffusion de live de ce samedi, je ne sais plus quelle date on est. De ce samedi 25 juin. Voilà, un live American Truck et c'est parti, on est là pour engendrer du fric. Alors là, on va arrêter de rigoler. On va se faire une belle mission, on va essayer de se la faire propre. On va faire ça, ça, et on va faire par ordre de prix. Voilà. Alors, de Fresno à Tucson, pardon. Oh, bah. C'est même plus parler, le mec. Ok, pas de problème, si tu veux. Allez, on va presque se faire 10 000 dollars. Allez, c'est parti. Fresno, Tucson. Donc, on part de Californie, on arrive en Arizona. Et let's go! Allez, on démarre le camtar. Il est 6h30 du matin. Donc, nous transportons de l'électroménager pour Tucson. Ok, on doit aller à charge. Prochaine coupure dans 14h. Temps restant 41h. Ok, pour arriver. On est samedi à 11h50. À 23h50 maximum. Et on est quel jour? On est que vendredi. On a largement le temps d'y arriver. Allez, c'est parti, on y va. Oh putain, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus longue cette remorque. Attendez. Attendez. Oh ouais, j'ai l'impression qu'elle est longue. Oh, elle est longue cette remorque. Allez. Salut mon gars, bonne journée à toi. Moi je me casse. Allez, on va essayer de se la faire propre. Pas d'accident, pas de... grosse balle. Ah, il veut pas démarrer en seconde. Je crois qu'il y a trop de col camion. Oh putain. Oh, ces vibrations dans le volant. Hop, le petit trottoir des familles derrière. Normal. Ah, là on a une boîte qui est longue. Ok. Allez, on va essayer de se la faire bien propre celle-là. Tranquillement. Voilà. J'ai raté mon ralentissement, mais c'est pas très grave, tant qu'il n'y a pas d'accident, on s'en fout. Oh, le petit JD. Oh, le petit John Deere. Voilà, donc ça nous change un petit peu justement du farming, de faire un petit peu d'American Truck. D'accord, ok. Voilà, il faut encore que je me réhabitue avec la boîte de vitesse. Ah, c'est pas possible entre les boîtes courtes et les boîtes longues. Hop. Là, on a un camion. Là, on a un autre camion. On va pouvoir y aller juste derrière. Allez, c'est parti. Allez, let's go. On est parti. Allez, on a 600 miles à faire. Presque 10 000 euros à la clé.
Ah, j'avais une idée pour la chaîne. C'était de remettre toutes les rediffs de live le dimanche. Sachant que le dimanche, je ne sors aucun contenu et tout. Et ça me laisse les autres jours de la semaine pour sortir des épisodes de différentes séries sur différents jeux. Donc pour ceux qui sont sur le live et ceux qui verront la rediff, dites-moi ce que vous en pensez. Et d'une dans le chat et de deux dans les commentaires. Parce que ça m'intéresse de savoir si ça peut vous intéresser. Ou alors utiliser la... ce qu'on avait parlé la dernière fois avec Kingu, de mettre les... comment ça s'appelle ? Les vidéos en non répertorié, mettre un lien pour que les gens puissent aller les voir s'ils ont envie. Je sais pas. Allez, c'est parti. Je pense, vu le nombre de miles qu'on a à faire, première station que là je vais croiser, je vais aller faire le plein, je pense. Comme ça, je vais pas me laisser avoir. Ouais, je vais faire le plein, je pense. Voilà, donc là je viens de bloquer le régulateur. On passe à côté de Bakersfield. Avec mon accent anglais qui est un petit peu pourri. C'est des anglais qui me regardent, ils vont péter de rire, je crois. Ah, il y a une station là. Ce qu'on va faire, on va y aller tout de suite. Ouais. Alors, je vais couper ça. Et mon écran accessoire qui s'éteint, qui se rallume. C'est la fête du slip. Voilà. Allez, ralenti. Allez. Comme ça, le patron, il va bien taxer. Ok, c'est parti. Allez, on enlève le petit frein de parc et on y va. Heureusement qu'elles sont prises en charge par l'employeur, les dépenses de carburant. C'est quand même pas mon camion, c'est le sien. Il y a des bouchons. C'est normal, il est 9h du matin et il y a des bouchons. À Los Angeles, la ville des anges. Je peux éteindre les feux, il est 9h du matin, je l'avais complètement oublié. N'hésitez pas à interagir dans le chat, hein, ceux qui regardent, si vous voulez. Faites-vous plaisir. Faites-moi plaisir aussi, que je me sente moins seul. C'est à la base, si je fais des streams, c'est aussi pour vous, hein, pour cette interaction avec vous, ce contact en direct. Si vous avez des questions à me poser, etc., allez-y. Le régulateur, c'est parti. Là, il y a un moment, il va falloir. C'est pas sa première sortie, c'est la deuxième. C'est un sacré échangeur là aussi encore.
Oh, ce volant qui vibre. À mon avis, vous devez l'entendre. Hein. En tout cas, dans la vidéo, vous l'entendrez, je pense. Heureusement qu'on roule pas avec des camions comme ça en Europe. Hein? Allez, let's go. Allez, on va livrer nos machines à laver, les gens. Nos frigos, je sais pas, ou les deux. Alors je rappelle, le jeu n'est pas modé pour l'instant. J'ai envie de vraiment découvrir tout le potentiel du jeu qu'on a ici sans le modifier par des mods, même ne serait-ce que les cargaisons, hein. Là que je vais regarder Google. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, tant qu'il y a autant, mec. Voilà. Le petit régulateur à 30 miles. Et on roule. Oh. Il y avait des stations sur la route, mais j'ai préféré être prudent. Ah, parce que le coup de la première partie de live là. Ah, c'était unique. Unique. Avec l'élan pile à station service, quoi. C'était quand même. C'était drôle, hein. Ah, franchement, c'était pas mal. Bon, on a encore 450 miles à faire. Et on passe encore par des petits bleds. Bon, on va peut-être des... C'est des rues que j'ai déjà prises, hein. Regardez, elles sont en jaune. Donc c'est des rues où je suis déjà passé dans les précédentes missions. Ouais. Oh, cette remorque aussi, comme elle est énorme et sèche. Pour ceux qui auront compris la référence. Hop là. Ouh, les beaux camions. Putain, y a même des rappels des clignotants au milieu de remorques. Oh putain, c'est chaud. Eh, elles sont longues ces remorques, j'ai l'impression. Ouh. Ouah. Allez, les... Allez, c'est parti. On arrache le sac. Ah, nous, il nous faut un camion de 1000 chevaux, nous, pour nous. Hein. Ah ouais, dans l'entreprise, non, c'est clair. Je mettrais des 500, des 600 chevaux pour les gars, mais moi... Il faudra le plus gros camion. Parce que me traîner comme ça au feu là pour décoller la cargaison, laisse tomber. Oups, c'était une voie d'insertion. Je pensais qu'il y avait trois voies du coup. J'ai été zu. Oh là là. Ces bonnes petites balades sur les routes américaines. Ça fait plaisir.
Ah, du coup, on aura atteint presque les 60 000 euros. Et il va nous rester un petit peu de temps encore cet après-midi. Pour faire quelques missions. Plutôt sympa. Bon, ce qui tue, c'est les prosbas et les accidents, quoi. Lol. Oh, cette route désertique ici. Qu'on pourrait limite à péter les 80 miles. On est limité à 55, quoi. Bon, j'espère que vous allez tous très très bien en cet après-midi du 25 juin. Bon, bien sûr, je parle au nom de ceux qui sont présents sur le live, qui sont muets dans le chat, qui se sont peut-être endormis derrière ce live. C'est pas. Debout! Réveillez-vous! Et autrement aussi, ceux qui verront la rediff. J'espère que quand vous verrez cette rediff, ça ira bien pour vous aussi de votre côté. Et on a l'impression de se traîner. On va s'endormir au volant, ça continue à être monotone comme ça. Mon Dieu. Heureusement que sur la rediff, je vais mettre le petit fond musical. Ça va occuper les oreilles. Ah, du coup, je suis en train de rattraper le camion. Et il roule vraiment pépère, le gars. Hein, avec son Kenworth. En plus, on est dans un Peterbilt. Je disais qu'on n'avait pas encore découvert de concessionnaire, justement, de cette marque-là. J'espère qu'ils vont nous mettre d'autres, hein, marques. Parce qu'il y a quand même... Il y a Mack, il y a International aussi, je crois. En marque de camion américaine. Et puis, il y a d'autres modèles, hein. Quand on regarde par exemple les Kenworth, il y en a ceux qui n'ont pas le nez, forcément, là. Je sais plus comment c'est, les modèles. Je crois que c'est les modèles K, mais je suis plus sûr. Mais voilà quoi, il y a moyen de booster encore ce jeu, quoi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que Euro Truck avait super bien marché. Donc SF Software, ils avaient quand même la pression derrière à faire un jeu qui soit assez proche d'ETS pour avoir le même succès sans être trop proche non plus de lui. Pour pas lasser les gens. Et là, c'est une sacrée popote à faire, hein, pour des concepteurs de jeux vidéo. Parce qu'il y a une limite à pas franchir. Mais voilà, faut savoir ce qu'on fait. Hein. Parce que si on fait un jeu un peu trop différent et qui accroche moins, voilà. Et si on fait un jeu qui est un peu trop similaire, les gens vont pas accrocher non plus. Hein, donc. C'est showtime. Alors, en parlant de showtime, pour ceux qui sont présents sur le live, et puis bon, pour la rediff, vous verrez. Ça sera sûrement sorti sur la chaîne avant que vous voyez la rediff, mais j'ai lancé un deuxième nouveau jeu, hein, en vidéo. Le premier c'était Roller Coaster, là j'ai lancé un autre. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Du fail en perspective. Mais c'est drôle, c'est beau. Et c'est un jeu qui me plaît. Donc voilà. Donc vous verrez ça pour ceux qui sont sur les live. Là, vous verrez ça à partir de la semaine prochaine. Là. Entre la fin juin et le début juillet. Et puis bah, ceux qui verront la rediff, bah, vous aurez certainement déjà vu le nouveau jeu que je vous parle là, actuellement. Que j'ai pas envie de spoiler en direct pour ceux qui sont sur le live. Et je crois qu'ils se sont endormis, les gens.
J'ai 4 personnes de connectées, mais je crois qu'ils se sont endormis. À moins que ce sont des étrangers, qu'ils ont mis juste les images, ils ont mis un fond sonore derrière. Pour, comment dirais-je, s'occuper les oreilles, ils m'écoutent pas, ils regardent juste ma conduite. C'est peut-être possible aussi, hein. Alors, à partir de la semaine prochaine, c'est les vacances. Et moi, pendant les vacances, je vais certainement streamer beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Je vais organiser mon emploi du temps un peu différemment, mais je vais streamer beaucoup plus. Il n'y aura peut-être pas des rediffs de live pour tout. Faudra que je vois. Je vais peut-être streamer tous les jours. Donc, un peu moins, faire que 2 heures maximum. Mais streamer tous les jours et chaque jour faire un jeu différent. Ouais. Ok, donc j'ai encore débloqué un succès Steam, ça c'est bon ça. Je sais pas si ça se voit la capture, j'ai pas fait gaffe en fait. Jamais fait gaffe. Oh mince, on peut accélérer. Ça tombe, ça fait 10 minutes que je peux accélérer, que je le vois pas, quoi. Lol. Vous auriez pas pu me le dire dans le chat? Mais c'est marrant qu'ils ont pas eu les vraies marques. Ah. Veuillez vous arrêter au prochain poste de pesée. C'est là? Ouais. Voilà, bon bah une pesée les amis. Hop, je sais pas si vous en aviez déjà vu une en vidéo. Mais en tout cas, c'est une première en live. Hein. Putain, j'étais en train de bien accélérer et il faut que je me pèse quoi là. Heureusement que j'ai pas trop mangé ce midi, hein. Oh mon dieu. On va y aller à fond les ballons. Pas de clignotant, rien du tout en plus le mec. Ah. Alors je sais pas si ça se verra à la capture, mais Vivi joue. Vivi joue sur Steam aussi. Ah, vous êtes plus que deux sur le live. Ouais, il y en a peut-être qui se sont effectivement endormis et que ça a quitté. Allez, c'est parti, on continue. Alors, on s'en va... On s'en va à Tucson pour livrer de l'électroménager. Donc là, ça avance pas. Il y a des bouchons, bien sûr. Il y a la police qui a contrôlé toute la pesée des camions. On était au moins 4 camions. Bah, il y a les 3 camions qui sont devant moi, là. On était à la pesée, je sais pas si vous l'avez vu. En plus, là, il y a une montée. Vous allez voir, j'ai la possibilité de rouler à 75 miles. Je ne vais pas pouvoir les atteindre. Et quand je vais pouvoir, la vitesse va redescendre à 55. Allez, là, il y a la descente. Je vais pas pouvoir. Il y a un connard de poids lourd qui est à gauche là-bas. Il se rabat pas. Et voilà, je suis cantonné à 60. Allez, on avance. Allez, routier du chauffeur du dimanche là. C'est pas possible. Ces gens.
Voilà, à mon avis, on va pouvoir s'octroyer une coupure, je pense. Parce qu'on a encore 24 heures pour arriver à notre destination, me semble-t-il. Ah, on a découvert Phoenix dans l'Arizona. Voilà, on peut arriver jusque 23h50. On a plus de 24 heures pour arriver. Et notre personnage est fatigué. Donc là, on va pouvoir sans problème se faire une coupure. Donc du coup, dès qu'on voit une aire de repos, ben, on ira se reposer. Ah, vous voyez, regardez sur le GPS en bas là. J'avais découvert la route de l'autre côté en fait. Voilà, impeccable. Bon, là, il faudra sortir. Ok. Ah bah à droite, il y a de quoi aller faire dodo. Ah, vous savez quoi, on va tourner à droite et on va aller faire la coupure tout de suite. Voilà. On va pas se détourner grandement de notre route. Parce que quand on sortira du dodo, il y aura juste à... Voilà, on va faire la coupure tout de suite. Comme ça évitera qu'on roule de nuit aussi. Marquer le panneau stop, non même pas, ça va. Putain, on est obligé de prendre les trottoirs et tout ici. Allez, hop. Allez, on s'y met. Hop. Et on fait notre coupure tout de suite. Il est vendredi, 6h de l'après-midi. Voilà, on va repartir du samedi à 4h du matin. Et ça tombe bien, on a 19h pour faire le reste de la route. Pour faire 120 miles. Franchement. Merde, il y a le fin de parc. Ah, je sais plus si j'ai mis la simulation de l'air avec... Bon là, on va pas se faire chier, il n'y a pas de camion de gare à côté. On va pas s'emmerder à bien manœuvrer vu qu'il n'y a pas de camion. Voilà, on est bien. Donc là on tourne à gauche, on reprend notre route, il reste 120 miles à faire. Mais c'est bien, au moins on a fait notre coupure. Hop, on n'est pas hors la loi. Et au moins notre personnage ne va pas à moitié s'endormir comme ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais en train de stationner une semi, il n'y a rien de pire. Parce que vous avez l'écran qui s'assombrit et tout en plus. Donc ça c'est plutôt chiant. Oh merde, c'est 25, bordel. Voilà. Bon, bah on est de retour en ville. Quand on arrive en ville. On roule qu'à 25. D'accord, ok, bon. Heureusement qu'on a fait la coupure, parce qu'autrement on se serait endormi, là, je crois. Oh mon dieu, ce truc. C'est un truc de fou. Oh là 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 là. C'est clair qu'on va pas avoir un accident comme ça. On va pas faire d'excès de vitesse non plus. Hein. Mon dieu. Le temps qu'on arrive, ça tombe le feu avec la chance, il va passer au vert. Allez, passe au vert. Passe au vert, s'il te plaît. Passe au vert. Passe au vert. Fumier. Ah, j'ai l'impression que les gens peuvent tourner s'il n'y a personne. Tiens. S'il y a des gens qui ont déjà été aux États-Unis là, dans le live ou dans les commentaires...
de la vidéo, de la rediff. S'il y a des gens qui sont déjà allés aux États-Unis, dites-moi si on peut tourner comme ça au feu rouge. Un peu, ça serait le principe de nos flèches de dégagement à nous. Mais eux, ça serait tout le temps en fait. D'accord. Ah oui, parce que le feu, il est après le carrefour. Attendez, je vais faire un essai, les amis. Je vais essayer d'y aller. Pour voir si je vais prendre un crossbow ou pas. Bah non. Bah visiblement, on a le droit de tourner. Allez. On est parti, du coup. Allez. Allez, Nico. Allez, Nico. Voilà, les 75 miles. On va pouvoir peut-être les atteindre. Hein. Les 75 miles à l'heure. Allez, un petit rapport de plus. Nous, on va à Tucson. Ouh, il n'y a plus personne sur le live, ça y est. Ils sont tous partis, c'est la sieste. Ou alors c'est l'heure du goûter, 4h. On a bien fait de faire le plein plus la coupure. Hein. Comme ça on est bien. On est bien, hein, Tintin. Allez, 55 miles. Voilà. Oh, faut que je sorte. Hop, et là c'est à gauche et ensuite à droite. On est bien là. On est même très très bien. Il n'y a plus personne sur le chat. C'est quand même quelque chose. Bon, elle avance la voiture de flic là. Je la pousse. T'as vu la longueur de la semi, toi? Lol. Hé. Regarde la place que ça prend. Non, saute dessus, contour. Saute dessus. Alors c'était là. Oh merde. Oh mince. Oh mince. Oh mince. Bon, j'arrive à Tucson, c'est pas grave les amis. Je me suis trompé de route. Je vais faire demi-tour ici.
Arrête de faire le con, l'écran. Je sais pas comment ça se fait, il m'a jamais fait ça, cet écran. On va faire demi-tour à la NPE ici. Je crois que le feu est vert et pour moi passer ça va être chaud. Attendez, je regarde ce qu'il en est là. Bon, tant pis, je pousse. Merde. Allez, je pousse. Tant pis. Oh, cette manœuvre. Vous savez, quand vous vous gourrez de route, vous créez des bouchons. Ah, doucement, 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 doucement. Doucement. En plus, on était juste à côté de l'arrivée, quoi. Doucement. Voilà. Et on se traîne encore à 25. C'est magnifique. C'est fantastique. Mon Dieu. Ah, surveille bien la limitation, si on peut accélérer ou pas. Vous allez voir qu'on va pouvoir réaccélérer, on va être arrivé à côté du dépôt. Non, non, speed limit 25. Ok. Pas de problème. Pas de problème. Bon, on va aller livrer nos machines à laver du coup. On n'a pas pris de dégâts sur la marchandise. Non, mieux que le camion qui a 2% de dégâts. Mais je suis pas persuadé que ce soit moi qui les ai foutus les dégâts au camion. Alors nous on est là, si on prend celui-là, on doit se mettre là, donc ok, donc l'idéal il faudrait rentrer par ici, il faudra voir ce qu'il y a là, pour arriver à se garer là. Là ici ce serait toujours la sécurité, désolé j'ai pas le temps, bon allez, on y va, on est chaud. On est là pour faire de la simulation ou pas?
Alors. Je dois mettre là-bas à quai. Oh bah y'a rien. Allez. Voilà. Allez. Je commence à prendre l'habitude, hein, le coup de main, les amis. C'est comme tout. Eh, regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Attendez, c'est pas ça. C'est ça et ça. Regardez-moi ce stationnement. Un tout petit poil en biais. Mais on est à quai, hein. On est à quai. On est bien. Allez. Voilà, regardez la manivelle qui tourne. Hop là. Excellent travail. Ben voilà. C'est du tout bon. C'est magnifique. Alors, bonus pour la longue distance. Niveau de compétence 2. Ok. Ah oui, on gagne en plus de l'argent là par rapport à nos compétences. Alors, si par exemple on table sur... Ah bah on a regagné un bonus encore. On va... Putain, on a l'ADR ici, les matières dangereuses. Ça serait bien. Matière explosive. Allez. Allez, on y va, on le met. Hop. Tutur, salut. Alors, tu sais si ils sont mis l'Arizona en multi? Alors, pas du tout, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout s'ils ont mis l'Arizona en multi. Logiquement, oui. Donc, tutur. Logiquement, oui, parce que, en fait, moi, le jeu est sur Steam. Et le DLC Arizona a été ajouté automatiquement. Donc comme tu joues via Steam avec en multi, parce que tu peux pas le jouer autrement, je pense qu'ils ont dû le mettre. Ouais. Je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission maintenant? On a pris les matières explosives. Des téléviseurs électroménagers, des voitures. Des chariots élévateurs. On va essayer de se prendre une bonne petite mission. Oh là là, on aurait 3 bonus parce que... Livraison importante. Ah non, on aurait matière fragile et marchandises de grande valeur. Non, attendez, on a quoi comme bonus, nous? Niveau des points de compétence. On a la longue distance, grande valeur, fragile. Ah oui, 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 grande valeur. Ok, donc ça voudrait dire qu'on... On serait bien payé, du coup. Je suis en train de regarder là un petit peu ce qu'on a, ce qu'on n'a pas encore fait. Une rétrocaveuse, rouleau compresseur, de l'engrais, des pelleteuses. Oh, ça a l'air d'être pas mal ça. Oh, il y a de la route, hein. Oh, il y a de la route. Oh, il y a de la route. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'on a. C'est pratiquement la même route. Ok, on part de Phoenix, on arrive à Sacramento. Avec des produits surgelés. Oh, il y a pas mal de Kenworth. Oh, il y a pas mal. Oh, on va prendre celui-là. On va prendre ça. C'est pas mal du tout.
Je crois que c'est celui-là de camion qui fait un bruit du tonnerre. Wow. Avec le petit turbo qui siffle en plus. Oh là 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 là. Oh, ce bruit. Allez, on est parti, nouvelle mission. Ah tiens, ce qu'on va faire, comme on doit faire droite et gauche, là je vais aller tout droit pour découvrir le petit point d'interrogation, ce que c'est. Ah, c'est encore une boîte, une agence de recrutement, mais on va la découvrir, comme ça au moins on aura pas mal de petites choses. Alors, je vois que dalle. Allez, FedEx. Oh, ce camion. Oh, ce camion. Voilà, j'ai encore découvert une agence de recrutement. Donc là, je tourne à droite. J'ai même pas respecté le stop. Oh, allez, donc on a renseigné Tuture et il est reparti. Tuture, oh, vilain Tuture. Non, bah en tout cas pour le DLC Arizona, ouais, c'est peut-être possible qu'ils aient mis. Il est sûrement disponible en multi, je pense. Hein. Je vois pas pourquoi il le serait pas. Parce qu'il est incorporé automatiquement dans le jeu, donc. Ah, j'aime faire rugir ces camions américains là. Alors là, on est sur un stop. Ah là, là. Là, on est bien, les amis. Là, on est très très bien. Là, on est bien. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une chose. On va y aller tout doucement. Déjà, on va regarder à gauche. En espérant qu'il y en a un qui nous laisse passer. C'est pas de mal à veille, hein, j'ai l'impression. Et pareil, on nous file un camion à moitié vide, le réservoir. Non, mais on va où, là? What? Ah oui, d'accord. J'étais resté en première, moi. Allez, je tente. Fais un peu de forcing. Allez, laissez-moi passer. Ah ouais, si on force pas, on passe pas. Et voilà, là on est passé. Ah, parce que là je pouvais rester toute l'après-midi là. Là je pouvais rester toute l'après-midi, je pense. Allez, ça sera la dernière mission pour ce live d'aujourd'hui. Dernière mission, tranquillement. Je couperai certainement entre la précédente et celle-ci pour la rediff. Oh là. Pas trop vite, Nico. Je couperai au montage. Je ferai trois petites parties. Voilà, je ferai certainement trois petites parties.
Allez, là on va lui faire cracher sa pastille au camion. Écoutez-moi ce moteur, écoutez-moi ce monstre. Et plus je monte les rapports, plus j'ai l'impression qu'il en veut encore, ce camion. Bon là, il y a un petit peu de montée, on a quand même du poids. Hein. Allez, 600 miles à faire. Allez, on continue, on monte les rapports. Allez. Donc on est parti, on va livrer... on va livrer où déjà? On va livrer des surgelés à Sacramento. Donc on est parti, on a jusque 3h19 dimanche. 15h19 dimanche pour ramener nos surgelés. Et je conduis comme une bite. Est-ce que je fais 10 000 choses en même temps et mon écran continue à s'éteindre et s'allumer à côté de moi, donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Allez, c'est parti. Oh là, je suis déjà à 80 miles. Oh fuck. Rétrograde, réduit la vitesse. Voilà. On a mis le régulateur, on est parti. Allez. Donc je le rappelle, live sur American Truck. On avance un petit peu de notre carrière, la carrière qui est en carrière, en carrière suivie sur la chaîne YouTube. Je devais faire pas mal de missions pour dire d'avoir un peu d'argent pour avancer un peu plus le, pour que le gameplay soit plus intéressant sur la carrière. Du coup, je me suis dit bon, autant faire ça en live, en faire quelques-unes en live, au moins ce sera intéressant. Et du coup, on a découvert pas mal de belles choses. On a été découvrir. On a découvert. Voilà, je parle français un petit peu quand même. Hein. On a découvert le Grand Canyon Village. Donc, on n'a pas vu le Grand Canyon en lui-même. Hein. Voilà, faut réduire. Alors, à combien il réduit ? À combien il réduit? Allez, là on est sur le régulateur de vitesse carrément. Voilà, impeccable. On est repris à 55 miles. Ça c'est bien, quand le G27 est bien configuré, ça va tout seul les amis. Voilà, donc je pense prochaine station qu'on va croiser, on va aller faire le plein. Toujours même punition. Est-ce qu'on nous file des camtars avec les pleins qui sont à moins de la moitié? C'est n'importe quoi. Allez. On va dézoomer un peu. On en a une sur la route, là, on y arrive. Nickel. Allez. Donc on ira faire le plein. American Truck Simulator. Donc surtout, hein, dites-moi dans le chat, et dites-moi aussi dans les commentaires pour ceux qui verront la rediff, si un petit live comme ça, je sais pas, mensuel au grand minimum, déjà une fois par mois, un petit live American Truck, ça vous dit? Est-ce que ça vous plaît, etc. Moi ça me change de jeu. Je voulais partir sur du farming, je dis oh non, et puis j'ai des trucs à faire sur farming. Je voulais avancer aussi la map Baranchon. J'ai terminé de récolter tout le maïs sans silage et tout. Mais en fait je voulais avancer le truc, faire un peu des semis. Déjà semer quelques champs, surtout celui qu'on devait faire en herbe. Et donc du coup comme j'ai terminé en silage, j'ai aussi bâché le silo et tout, donc voilà, avancer un peu le temps, etc.
Parce que là, je suis quand même à pas loin de... je pense d'une dizaine d'heures sur la map et on est toujours qu'au jour 1. Parce que le temps, je l'ai laissé en temps normal. Hein. Donc voilà. Ok, allez, hop, on rétrograde. Allez, hop. Un petit coup à boire pour le Camtar. Allez, c'est parti. Je me demande si la communauté de modeurs va autant s'éclater sur ce jeu qu'elle l'a fait avec Euro Truck. Parce qu'avec Euro Truck, qu'est-ce qu'on a eu comme map modée? Mais des maps énormes, hein, on pouvait faire toute la Russie et tout, c'était un truc de fou quoi. Et je me demande si les modeurs vont nous faire un truc pareil ici, peut-être avec le Grand Nord canadien. Ah ouais, en mode conducteur de l'extrême là, le convoi de l'extrême. Je sais pas si... Ouais, bah tu vas me laisser passer parce que là, moi je suis lancé à un pépère. En mode convoi de l'extrême, ça serait de la balle quoi, conduire en Alaska et tout là, ça serait magnifique. Bah même si déjà d'office SF Software il nous mettait un truc comme ça, ça serait magistral quoi. Mais bon, le jeu est tout jeune, le jeu est sorti cette année. Sans doute, je dis pas de bêtises, hein, 2016, oui. On a déjà eu deux DLC dessus, un qui était pratiquement à la sortie même, qui était de Nevada. Et là ici on a l'Arizona, donc on a trois états. Donc faut savoir qu'au départ le jeu devait sortir qu'avec la Californie. Donc c'était plutôt maigre. Hein. Je ne saurais pas dire comment était Euro Truck à sa sortie parce que bah moi je l'ai pas connu à sa sortie Euro Truck, donc tout simplement quoi. Alors attendez, hop. Moi je l'ai pas connu à sa sortie Euro Truck, donc du coup je peux pas dire si il était light comme ça aussi. Ouf. Voilà. Donc bonjour à ceux qui rejoignent. Je vois qu'il y a des petits icônes rouges qui s'allument en bas. Soyez pas timides, venez faire coucou sur le chat. Il y a eu du monde tout à l'heure qui est passé vite fait. On a eu Lapin, etc. On a eu Tutur. Tutur qui demandait tout simplement si j'étais au courant s'ils avaient mis le DLC Arizona en multijoueur. Alors, aucune idée. Hein. Sûrement, hein, je pense, parce que le DLC était implémenté d'office dans le jeu. En tout cas, sur Steam, c'est comme ça que ça fonctionnait. Pour moi, dans mon cas, donc bon. Allez, soyez pas timide et puis faites péter les followers aussi là. Le fait de follow c'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Donc on a 33 followers. Merci à vous de me suivre sur Twitch. Merci aussi aux plus de 500 sur YouTube. C'est génial. Vous êtes génial. Vous êtes en quelque sorte mon carburant. Hein. Parce que là, franchement, vous m'apportez de l'énergie, là, dans cette passe difficile de ma vie. Vous m'apportez de l'énergie et franchement, je vous en remercie. Ah, donc on continue, on va livrer nos surgelés. On a un peu du mal, on est limité à 55, on a du mal. Ah. On n'arrive pas à doubler. On va encore retirer une vitesse, je pense. Allez, vas-y. Allez, moi, je vais te bouffer, moi. Je vais te bouffer, moi, avec mes légumes surgelés. Regarde. Regarde, mec. Avec ta citerne. Du coup, j'en ai que cette vitesse. M'en fous, je m'en branle. Thank you.
Ah là, là je crois que c'est en descente. Voilà. Impec. Alors... Qu'est-ce qu'il fout ce fumier là? Enculé va. Ah. Donc j'ai vu qu'on pouvait tourner, même si le feu était rouge. On n'a pas de post-balle ni rien. C'est l'équivalent, j'ai l'impression, de nos flèches de dégagement. Donc perfectas. Donc là on a découvert un coin de dos. On peut aller jusque 30 miles, donc on va y aller tranquillement. Voilà. Cette minute de silence solennel. Oh mon dieu. Ray, son beau cœur. Voilà notre dernière petite mission de cet après-midi. Allez, on reprend l'autoroute. Allez, hop là. Allez, on est limité à 55 miles. On va mettre le petit régulateur de vitesse pour être tranquille. Voilà le petit régulateur. Avec klaxon de PD sur le camion, tout de suite. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis bourré de boutons. Ah, voilà, on aura bien bossé là aujourd'hui hein. Donc du coup je continuerai un petit peu pour monter au moins jusqu'au niveau 10 et on verra l'argent que j'aurai, mais au moins monter jusqu'au niveau 10 pour pouvoir débloquer déjà les premières bonnes améliorations sur les camions, et après pour la carrière suivie. Donc je monterai jusqu'au niveau 10 et après je reprendrai les records pour la carrière suivie, vous inquiétez pas, on fera ça tranquillement. PPR. Mais ouais, je reviens à ce que je disais en tout début de live pour les rediffs. Justement, les rediffs de live. Je pense que je vais tout claquer le dimanche. Je vais monter, uploader les vidéos et les programmer pour les sortir le dimanche après-midi. Une toutes les heures à partir de 14h. Sachant que je fais en moyenne 4-5 heures de live par semaine entre le mercredi et le samedi. On va dire une à 14h, une à 15h, une à 16h, une à 17h, une à 18h, et c'est parfait, ça fait 5h, oh là. Du coup, ouais, non, ça peut le faire, tranquillement. Sachant qu'une rediff dure en moyenne 1 heure, je pense que je vais faire ça. Peut-être pas à partir de là, mais quoi, avec les fichiers que je vais avoir là, je vais commencer à préparer. Mais là, bon, vous voyez, il y a déjà eu des rediffs et tout. Donc, vous verrez bien, de toute façon, ça va être mis en place assez rapidement, je pense. Ouais, peut-être, pourquoi pas, commencer, du coup. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils foutent? Eh hey, la police, va voir. Il y a un problème là. Il y a eu un accident, je crois. Ouais. Chauffeur du dimanche. Il y a eu un accident. Mais ces fainéants de flics qui vont pas voir. Hein. C'est pas encore ça, la gestion. Non, mais déjà, là, ce qu'ils nous font, là, c'est nickel, quoi. C'est super. Bon, il va falloir nous trouver un coin où faire notre pause. Bon, je vais devoir faire la pesée, déjà. Si on peut pas faire la coupure à côté là. Ça c'est plutôt bien fait. Ouais, je vais faire la pause ici tout de suite. Non. Y a pas moyen de se reposer là. C'est un parking ici normalement, non? Ah non, c'est un parking juste décoratif. D'accord, ok. Ils auraient dû faire le fait qu'on puisse faire la coupure ici du coup. Ça c'est bête. Moi je force un mec, rien à foutre. Ah bah on peut faire une coupure là. Ah là, là vous voyez, il y a la pesée et il y a vraiment les petits lits. Ok. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis avant. Bon, c'est pas grave. On va aller faire la coupure. On a jusque quand pour arriver? Dimanche 15h19. Et il n'y a que samedi 16h. Ok. Donc on va pas faire. Il nous reste que 200 miles, donc ça va le faire. Ah, le parking est là. Allez. On va se garer à côté du collègue avec la citerne. Voilà, impeccable. On met le frein de pack, on coupe le moteur et on fait la coupure. Voilà. L'autre est en train de pulvériser en pleine nuit l'avion. Lol. Non. Et je me demande si j'ai mis la simulation de la pression de l'air du coup. C'est pas ça.
Ah d'accord. Allez, on est parti, on va se terminer cette mission. Il reste 200 miles. On livre nos surgelés. American Truck, les amis. Magnifique. Et dernièrement, ils nous ont gratifié de ce DLC Arizona. Voilà, je conduis. Mais... ça, c'est... putain, mon écran, je sais pas ce qu'il me fait à côté, là. Il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume. Ça commence à me saouler. Voilà. Faudrait que je regarde si c'est pas un problème. Je vais regarder sur Google et mon ami. Voir si c'est pas un problème de pilote ou quoi que ce soit. Mais je vais voir, du coup, maintenant que je recorde tout avec OBS, je n'utilise plus Shadowplay. Parce que déjà, d'une, les fichiers sont beaucoup moins lourds à traiter, etc. Donc, plus rapide à monter et tout. En plus, j'ai une espèce, avec OBS Studio, j'ai une espèce de table de mixage. Je peux gérer le volume directement. Je suis pas obligé de passer par Audacity pour faire ma voix et ensuite jongler au montage. Je peux faire ça avant, régler jeu par jeu et faire ça avant. Comme ça, après, j'ai juste un record et je suis tranquille. Donc voilà, on va pas s'emmerder. Donc du coup, je vais voir pour faire peut-être les dernières mises à jour de d'Nvidia. Parce que j'étais vraiment resté une ancienne parce que avec les récentes, je ne pouvais pas record dans de bonne qualité avec, avec Shadowplay. Donc c'était assez pénible hein, quand même. Allez, il reste un peu plus de 160 miles. On s'en va livrer nos surgelés à Sacramento. Voilà. Toc. Et c'est parti. Bonjour à ceux qui rejoignent le live d'ailleurs. Je vois les petits bonhommes en bas qui s'allument. Vous pouvez faire un petit coucou sur le chat si vous voulez. Ça fait super plaisir. Ah donc je disais, j'ai jamais encore vu de pluie sur American Truck. En même temps, on a trois états assez secs et arides, hein, quand même avec du désert et tout le temps. Donc, voilà, encore la police. La police! La police! Oh, GG. Hop là. Donc c'est la dernière mission hein, pour cet après-midi. Une fois qu'on a terminé ça tranquillement, je stopperai le live. Voilà, tranquillou, on aura fait 3 missions je crois. 3 ou 4, je sais plus. Bon, on aura bien avancé quand même sur la carrière, donc ça va, je suis content. Ça va, je suis content. Du coup, moi en off, je continuerai comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui rejoignent que maintenant, qui savent pas, ou ceux qui verront que la rediff sur YouTube, je vais après en off avancer au moins pour arriver jusqu'au niveau 10 pour débloquer les premières améliorations des camions. Comme ça, le temps d'avancer jusqu'au niveau 10, je vais me faire de l'argent et au moins ça fera plus de sous en. Avec le crédit de la banque pour acheter un premier camion et avoir notre entreprise quoi. Voilà. Impeccable. Allez, on est parti. On est parti. Ça fait déjà un moment qu'on est parti, hein. C'est long tout ça. Surtout quand on se traîne à 50 miles quoi. Et le pire c'est en ville à 25 quoi. T'as l'impression que si tu vas à pied, tu vas plus vite. En même temps, quand tu vois les monstres et les camions qu'il y a aux États-Unis, laisse tomber. Vaut mieux pas qu'ils fassent trop les fangios en ville, hein. Même sur la route. Hein.
Allez. Allez, 65 miles. On arrive au bout. Et on sera à l'heure. Si on avait juste que 15 heures pour arriver, il est 5 heures du matin. Et il nous reste qu'une heure dans le jeu. Donc on va arriver, il va être 6 heures et quelques. 6-7 heures du matin. On sera arrivé avec 7 heures d'avance. Tout en ayant fait le plein, notre coupure. C'est perfectas. Ah ouais, perfect. J'espère qu'on aura perfect dans la mission, qu'il va pas nous arriver une bricole entre temps. Et voilà. Donc comme je disais dans la précédente partie de live, il va y avoir un nouveau jeu d'ici la semaine prochaine sur la chaîne. Donc vous, ceux qui verront que la rediffusion sur YouTube, ben, vous aurez déjà vu le nouveau jeu avant que j'en parle. Quoi, avant que vous voyez que j'en parle sur American Truck. Hein. Donc voilà. Mais nouveau jeu, j'espère qu'il vous plaira. Toujours accès un petit peu simulation. Et on verra pour faire un autre jeu d'ici le mois de juillet. Parce que là, on a quand même commencé en plus Roller Coaster. Donc je vois que ça plaît plutôt pas mal. Il y a une nouvelle série sur Minecraft aussi en mode hardcore. Donc celle-là, elle durera tant qu'elle durera, tant que je meurs pas. Parce que j'ai qu'une seule vie, donc voilà. Mais du coup, la série sur Minecraft et Roller Coaster, ça s'intéresse plutôt. Donc je suis content. Peut-être que le nouveau jeu, ça a intéressé plus, moins bien. Je sais pas. En plus, si je fais le nouveau jeu, on aura l'opportunité de temps en temps de se faire des lives sur ce jeu-là. Ce qui sera pas mal. Donc, une fois par mois de l'American Truck, une fois par mois le nouveau jeu, une fois par mois du Roller Coaster. Ça peut être pas mal, je pense. Ça peut être pas mal. Je pense qu'on va être bien. À côté, il y a du Minecraft, il y a du farming. J'aimerais bien vraiment lancer cette foutue carrière sur farming en multijoueur. J'arrive à trouver personne, en fait. C'est un truc de malade. Donc, je vais certainement refaire une vidéo. Et là, par rapport aux vacances... Peut-être qu'il y aura du monde et mon écran qui fait encore des siennes. Voilà. Tout doucement, on va essayer de pas emboutir une bagnole devant. Ah, une Prius. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils en ont beaucoup des Prius. Hein. Arrête-toi. Allez, hop. Il y a une voiture, on va attendre qu'elle passe. Il y a un camion maintenant. Allez, juste derrière le camion, j'enquille. Allez. Alors, je peux couper l'éclairage. Ah bah là, on a 30 miles. Ah, on arrive chez Walbert. Ouais. Ah bien sûr, dans la réalité, c'est pas Walbert. Comme là, le FedEx, ils l'ont pas mis en FedEx. UPS, ils ont mis UDS. Donc bon. À mon avis, ils ont pas eu suffisamment les moyens pour acheter toutes les franchises, je pense. Allez. What? Avance, voilà. Alors, nous on est là. On va choisir la mise à quai ici. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va s'ajouter, on va avancer là et on va reculer tout ici tranquillement pour mettre la remorque à quai. On n'a pas la place, je pense. Attendez, je fais une petite vue extérieure pour scruter le terrain. Si je pense que ça devrait le faire. Bah allez, on le tente. Allez, c'est parti. Donc on va se mettre là. Et on va le faire en marche arrière.
On va essayer de pas accrocher une bagnole sur le parking. Allez. J'ai pas assez cassé l'arbre déjà. Elles sont vraiment pète burnes à casser les remorques. Allez. Voilà, là la remorque, le cul de la remorque est bien parti. On va la pousser un peu comme ça. Alors là, il faut pas qu'il y ait de bagnole. Bien sûr, il y a une vieille bagnole cubaine. Ça devrait passer là, je pense. Allez. Ah, attendez. Faut que je regarde où j'en suis. Ok, donc je vais avancer un petit peu. Voilà, impeccable. Hop. Allez. Le problème, c'est que la remorque, elle part complètement en biais. Cette connasse. Voilà. Oh. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, là je suis passé. Avec le mal que je me suis donné pour faire ma manœuvre, tu crois que je vais abandonner maintenant? Ah là, je vais avancer complètement là. Voilà, comme ça là, je vais pouvoir casser la remorque dans le petit coin ici, là. Bon, ça c'est la manœuvre de la fin, ça. Tu sais, ça sent un peu la fatigue aussi. Allez. Alors, je voudrais que tu casses complètement, c'est le prix de remorque. Oh. Oh. Oh, 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 sur le trottoir en plus.
Le problème, c'est que... va-t'en la mettre là-dedans, c'est impossible. Avec la spi qui est à côté. What the fuck? Bon. Allez. Mais je suis en train de monter sur l'herbe, quoi. Non, mais t'es sérieux, quoi. Tu peux pas la mettre là, cette putain de remorque. C'est 10 000 points d'expérience qu'il devrait donner pour celle-là. Ça va pas. Faut que je serre complètement le mur, quoi, limite. Allez. Alors, on part de là. Heureusement qu'on a 7 heures d'avance, hein. Ça va pas. Allez. Non, en fait, elle passe pas cette remorque. C'est impossible. Alors, à moins que je la prenne de là. Bien sûr, je vais taper le mur ici à tous les coups. Bon, je touche le mur. Non, c'est pas possible. Attendez, je vais mettre en vue extérieure là, parce que je suis sûr que c'est pas possible. Bah, en fait, en vue extérieure, ça va déjà beaucoup mieux, en fait. Franchement, les mecs qui font ça dans la réalité, moi, je leur tire mon chapeau. Ouais, déjà, en vue extérieure, ça va déjà beaucoup mieux. Ah, mais c'est chaud, quoi. Allez. Non. Bah là, dis donc, ça a été la manœuvre de tous les dangers, hein. La manœuvre de tous les dangers, les amis. Fin de live épique, hein.
Je pense qu'on a mérité nos points bonus là. Mon Dieu! Mais en fait, c'est chaud quoi. C'est super chaud. En full vie intérieure, c'est chaud. Bon, voilà les amis. Donc, on a eu un excellent. Donc, bah moi, je vais boucler ce live ici. Pour aujourd'hui. Tranquillement. Ah, on n'est pas passé niveau 7. Voilà. Il va me rester 3 bons niveaux à faire, moi, de mon côté. Pour dire de d'être bien avec la carrière suivie. Pour bien reprendre. Donc, voilà. Donc moi je vais stopper le record tout de suite pour YouTube. Donc au revoir YouTube.